1936-37, il avait dessiné l'Electra. En 1937-38, il a dessiné l'un des chasseurs les plus phénoménaux de toute l'histoire, le P-38, la Hellfire. Ensuite, il a dessiné des avions de patrouille maritime dérivés de l'Electra, le Hudson en particulier. Et puis après, il a dessiné un quadrimoteur qui allait devenir le Constellation et qui lui aussi dérivait de l'Electra. Constellation et le super. Et le premier chasseur à réaction américain, véritablement construit en série opérationnelle, donc on peut soit dire qu'il était expérimental, mais qu'il était un avion d'armes. Il a été conçu en 1944, c'était le même que celui qui est dans le ciel maintenant, sauf qu'il était monoplace et non pas triplace, et il s'appuie donc au plus fortement le chasseur. Et puis, deux étoiles filantes, ils ont dérivé, ils ont rallongé un peu l'avion, ils lui ont mis un deuxième place à bord, et ils en ont fait un avion école, ils ont été le T-33, surnommé rapidement le Tigre. J'en ai quelques-uns ici à avoir volé dans cet avion. Et le T-33, pas c'était un Lockheed avec tout ce que ce mot signifie pour quiconque a une petite culture aéronautique. Les Lockheed, ben c'est les Bugatti à l'américaine de l'histoire de l'aviation. Celui-là est le seul Lockheed à l'action, le seul l'escabeau sur le côté, on tombe dans ce cockpit, en tant que cockpit américain. Et finalement, c'est un avion, c'est un avion très traité d'Amérique, un avion confortable, large. Et pour l'époque, on se dit, c'était quand même luxueux. Gentil Maxis, allez-vous.